Bonjour, je m'appelle Ifa Taukafa, je suis rugbyman à Loup. Voilà. Le combattant parmi les combattants, le guerrier parmi les guerriers. Ifa, en tant que joueur, c'est pas un rugbyman, c'est un boxeur. C'est Mike Tyson. I'm from Tonga. I played for Tonga a few years ago, but now my concentration now is based on the Luo club. So, but very pleased to come to Lyon. Good staff, good players here, and good team spirit. So, yeah. So yeah, I enjoy it here in Lyon, and this is my home now. C'est un énorme guerrier. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui dégage autant de charisme que lui sur le combat. Dans toutes les équipes, il y a des mecs un peu méchants, il y a des mecs très costauds, mais que lui, sincèrement, il est craint par tout le monde. Dès qu'il y a une embrouille et que lui se met au milieu, ça se calme tout de suite. Donc voilà, c'est quelqu'un qui impose le respect de par son charisme, de par son agressivité sur le terrain, mais dans le bon sens du terme, de par son explosivité. C'est un gars qui est très respecté dans le rugby et qui est très craint. En tant que joueur, ben c'est un joueur des îles, donc c'est quelqu'un d'agressif dans son jeu, au bon sens du terme. Et des fois, il a tendance un petit peu à s'emporter, mais c'est un joueur qui est très généreux, qui apporte beaucoup à l'équipe quand il est là. Il fait peur à pas mal d'adversaires. C'est vrai qu'il est quand même assez impulsif, et puis bah, il a du mal à justement parfois à mettre de côté cet aspect guerrier. Mais comme je te disais, ça nous sert aussi parce que c'est vrai qu'il est craint. Donc voilà, il faut essayer de canaliser, il faut essayer de s'en servir comme une arme. I don't know. Yeah, I just try to impose myself with teams that I've been involved with. I try to impose myself with the fighting spirit. I don't know why, but it's the love for the game, eh? Just been playing rugby all my life, just having that competitive side to yourself is a bonus. And I try to, I don't try to speak too much. I rather make my actions speak for me, so yeah. Dans la vie, il est l'opposé. C'est quelqu'un de doux, d'attentionné, bon père de famille. Ouais, c'est un mec qui est très marrant, qui a beaucoup d'humour, qui aime bien nos blagues. On aime bien les siennes aussi, même si on ne comprend pas tout des fois. Et puis ouais, c'est un mec que j'adore, c'est un mec qui est typiquement des îles, qui est très famille, qui peut être un peu impulsif, mais avec nous il est vraiment au top, quoi. En dehors, qui est très respecté aussi parce qu'il a un grand cœur très gentil et très serviable, et dès qu'on a besoin de lui, il est là, il est le premier à venir rendre service. I don't think it's. I don't refuse to speak in French, but I think it's just lazy minds at the now and then. But I understand when people talk to me, just a bit hard to reply. But overall, I get along. A lot of the boys here, they speak English, and I can understand. And I try to evolve myself around them, and even though they speak French. You know, I understand what they say, so I don't refuse to speak French. I love listening to the French language.